Voilà. Bonjour à tout le monde. Nous attendons nos frères et nos soeurs. Connectons-nous massivement pour le live de ce matin. Si vous remarquez le cerne au niveau de mes yeux, c'est... ça ne vous dérange pas. Et on est rentré tout à l'heure. Voilà. Je suis encore fatigué, je ne suis pas encore assez reposé. Que Dieu te bénisse. Connecte-toi, partage la vidéo au maximum et dis-nous en commentaire si le son est bon. La dernière émission, je l'ai réécouté, le son n'était pas du tout bon parce qu'on avait mal passé le micro. Et dis-nous cette fois-ci comment est le son. Nous attendons nos frères et nos soeurs. Voilà. Bonjour encore, bonjour, bonjour. S'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum dans tous nos groupes. Invitons le maximum de personnes dans, sur cette plateforme éducative et au sein des Saintes Écritures, appelée à la lumière des Écritures. Donc, c'est une initiative de Homi Shalom et Kane. Nous bénissons le Seigneur. Et cette œuvre que l'Esprit de Christ a initiée par elle. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre émission en attendant que nos bien-aimés puissent se connecter. Donc, connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Soyons très, très nombreux à nous connecter ce matin. Donc, désolé vraiment pour les petites fixations qui ne sont pas respectées selon les normes internationales. On fait avec. Le plus important, c'est d'écouter et de vivre par cela. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est important. La foi en quoi? En la parole de Dieu, promesse de Dieu. Parce que la nourriture de la destinée d'un être humain ou de quelqu'un qui fait profession de servir Dieu, c'est les promesses de Dieu. Nos vies sont définies par l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand vous étudiez profondément la Bible, vous découvrirez qu'il y a des personnes qui ont vécu et qui n'ont pas bénéficié de l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Il y en a aussi qui ont bénéficié jusqu'à un certain seuil et après le reste ne s'est plus accompli. D'autres ont marché dans la plénitude et l'abondance de l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, comment faire pour que les promesses de Dieu soient accomplies dans ma vie? Vous voyez, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, avant de continuer, je voudrais inviter tous les habitants de la ville de Yaoundé et ses périphéries au spécial Atmosphère de Miracle tout à l'heure à partir de 16h à la bière. Donc, ne restez pas à la maison. C'est un moment consacré à Dieu. C'est un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. C'est un moment spécial. Nous avons passé 3 jours spéciaux à Douala. Et la semaine prochaine encore, par la grâce de Dieu, nous serons dans la ville de Douala, mardi, mercredi et jeudi pour un autre programme spécial. Et les habitants de Bertoua, nous avons rendez-vous ce dimanche à partir de 16h à Beaumont. D'après la deuxième barrière de police,
pour des moments inoubliables dans la présence de notre Dieu. Et il faut expliquer que nous avons trois grands cultes de plaintes pendant ce mois d'octobre. Nous avons le culte de plaintes le 24 du côté de Berthois, et puis dimanche 31, nous aurons deux cultes de plaintes, double culte de plaintes à l'Éternel, 7h30 à Yaoundé et 16h à Douala Ndokboto. Les populations de Berthois, Yaoundé, Douala, massivement, s'il vous plaît, mobilisons-nous pour cet événement, ou ces grands événements qui transformeront le cours de notre histoire. Venons avec nos enfants, avec nos familles, avec nos épouses, avec nos époux, avec nos frères, avec nos soeurs, nos amis, pour bénéficier ensemble de ce moment extraordinaire dans la présence de Jésus-Christ. Alors, ce matin, je voudrais partager avec toi un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet sur lequel j'ai eu à chevaucher et caracoler, mais cependant, il est important de revenir à ce sujet. L'apôtre Paul a dit, je ne me lâcherai point de vous répéter les mêmes choses. Et quelqu'un a dit que la répétition est mère de la pédagogie. Donc c'est important de répéter. Et Paul dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Je crois que c'est Paul ou Pierre. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Ne soyez pas comme une personne qui se regarde dans une glace et qui à peine, qui aussitôt oublie à quoi ressemble son visage. Vous voyez. Donc l'oubli de son visage, spirituellement parlant, est un problème sérieux. Alors de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler tout simplement du ministère, l'homme de Dieu du ministère. Le ministère est-il sorcier? Faut-il pratiquer la sorcellerie pour avoir le succès dans le ministère, pour être suivi? Faut-il pratiquer la sorcellerie? Faut-il forcément se compromettre pour avoir l'onction? Faut-il entrer dans des choses compliquées pour avoir la foule? Beaucoup d'hommes de Dieu sont convaincus aujourd'hui que, moi parlant de moi, et d'autres aussi parmi mes frères, qui marquons l'histoire de cette nation, beaucoup sont en train de penser que, en fait, pour arriver à ce niveau, il faut avoir mis sa main quelque part. Il faut s'être engagé dans quelque chose. Il y a la sorcellerie quelque part, d'où les mots trempés. Ouais, il a trempé. J'aurais bien voulu connaître ce que ça veut dire, la pensée, c'est-à-dire les profondeurs de la pensée de ceux qui disent il a trempé. Et il faut dire que beaucoup d'hommes de Dieu se sont laissés aller dans l'exercice de cette profession qu'est la calomnie des hommes de Dieu. C'est important de ne pas aller très loin, parfois c'est revenu au sommet du mal. Donc, en même temps, je forme mon caméraman. Donc, vous voyez, le problème donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup d'hommes de Dieu sont convaincus que vraiment nous pratiquons la sorcellerie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Et je pense que beaucoup sont arrivés à cette conclusion parce que ça ne va pas pour eux. Déjà, c'est ça. Parce que si ça marchait pour eux, si ça réussissait pour eux-mêmes, ils ne diraient pas que, en fait, pour réussir, on a besoin de pratiquer la sorcellerie parce qu'ils auraient découvert qu'en fait, on peut y arriver sans pratiquer la sorcellerie. Et en plus, comment a-t-on besoin de pratiquer la sorcellerie pour réussir si c'est Dieu qui nous a appelés? Oui, c'est un peu ça le problème. Et pendant que je réfléchissais sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y a un problème fondamental, il y a un problème profond à ce qui concerne le ministère au Cameroun. Quand le Seigneur Dieu m'appelait à son service, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu la nuit, il m'a dit, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service? Ouvre les yeux et regarde, plusieurs s'engagent à me servir à cause de leur ventre. Pour cela, ils retiennent la vérité captive, ils ne la disent pas. Et beaucoup de mes brebis meurent dans leur péché. Mais toi, tu craindras mon nom et tu marcheras devant ma face. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Et donc, à partir de ce moment, le Seigneur s'est mis à pleurer dans le rêve. Et il pleurait sur ses pasteurs au Cameroun, disant, pourquoi tuez-vous mes brebis? Pourquoi dispersez-vous mon troupeau? Pourquoi égorgez-vous mes brebis? Donc, c'est une interpellation. C'est aussi une exposition de la réalité spirituelle de l'Église au Cameroun. Ça veut dire que j'ai pris le temps pour réfléchir à cela. Je me suis rendu compte qu'en tant qu'homme de Dieu, nous avons abandonné Dieu. En tant qu'homme de Dieu, il y a beaucoup de choses que
nous ne faisons pas, que nous devrions faire en tant qu'homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons que nous ne devrions pas faire en tant qu'homme de Dieu. Vous voyez? C'est donc ce sont ces faire et ne pas faire qui sont mal gérés parmi les hommes de Dieu de notre génération. Est-ce qu'on a besoin forcément de pratiquer la magie pour attirer les gens? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller boire quelque chose ou manger quelque chose ou faire un sacrifice rituel pour que les Camerounais puissent nous suivre? Je crois que non, pas forcément. Je ne sais pas si ces choses-là fonctionnent, je ne sais pas si en le faisant vraiment, on est capable d'attirer les gens, mais je pense qu'on n'en a pas besoin. Alors qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à penser que l'autre réussit dans le ministère parce que c'est la sorcellerie? Je me souviens à l'époque où nous étions en train de construire encore la Bible, il y a un groupe d'hommes de Dieu, un groupuscule d'hommes de Dieu qui est venu me voir. Et puis on discutait ensemble, il y avait les employés et tout. Et puis ils m'ont dit, ok, maintenant, tous les fils sont partis. Nous avons retiré nos fils, ils sont partis. Et puis nous, on est restés, ils m'ont amené dans un coin de la fondation. Et ils m'ont posé la question suivante. Maintenant, dis-nous la vérité. C'est toujours le même ministère que nous faisons là que tu fais. Pourquoi nous n'avons pas de résultats et toi, tu as autant de résultats? Dis-nous alors le vrai secret. Fais-nous confiance, n'aie pas peur, tu vois. N'aie pas peur, ne t'inquiète de rien. D'ailleurs même, tel nous avons aussi donné son secret comme ça, et nous avons gardé jalousement son secret. Donc, en fait, nous sommes des personnes fiables, nous sommes venus. Aujourd'hui, nous ne rentrons pas tant que tu ne nous as pas révélé ce que tu fais. Ouais. C'était un problème fondamental qu'ils me posaient. Ils étaient sérieux en me posant ce problème, parce qu'ils étaient convaincus qu'il y a quelque chose, certainement, quelque part que je pratique. Et je leur ai expliqué comment je faisais, comment je concevais le ministère, sur quels critères j'allais en ce qui concernait le ministère. Ils m'ont dit que ce n'est que ça. J'ai dit oui, ce n'est que ça. Et ils ont dit non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas compter le nombre d'hommes de Dieu qui m'ont appelé pour me demander que Ferdinand, dis-moi, tu utilises quoi? Et je suis ton frère, ne me laisse pas mourir comme ça. Ne me laisse pas souffrir comme ça dans le ministère. Dis-moi, comment est-ce que tu fais pour que partout où tu arrives, des milliers de gens se rassemblent autour de toi? Ce n'est pas une histoire de prétention ou une histoire de mégalomanie, mais il faut comprendre que la grâce de Dieu est réelle. La faveur de Dieu est réelle. Mais le ministère, c'est un contrat avec Dieu. Quand Dieu vous appelle, c'est un contrat. C'est un peu comme un employé qui signe un contrat de travail avec son employeur. C'est la même chose. Vous posez des conditions au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsque le Seigneur m'appelait, je lui ai dit carrément, « Seigneur, si tu veux que je m'engage à te servir, si tu veux que j'abandonne les passions de la jeunesse pour te servir, tous les plaisirs et ma vie pour te servir, alors, un, je ne peux pas être un pasteur de 1000 personnes. Non, je refuse ça. Ma vie sacrifiée sur l'autel du sacrifice et de l'offrande doit influencer des milliers de personnes dans le monde entier. Ça, c'est ma première condition. Deuxième condition, donne-moi l'indépendance et l'autonomie financière de peur que ceux vers qui tu m'enverras puissent me faire le chantage si mon existence dépend d'eux. Et le Seigneur m'a dit, ok, je t'accorde cela. Et Dieu m'a accordé cela. Donc je pense que tout dépend aussi de comment tu as négocié ton contrat de travail avec Jésus. Mais la grande question, pourquoi certains hommes de Dieu sont convaincus que nous aussi on est des sorciers? Pourquoi est-ce qu'ils nous accusent même d'abord de sorcellerie? C'est, ils ne regardent pas l'enseignement que nous donnons. Ils ne voient pas la persévérance. Ils ne voient pas l'endurance. Ils ne voient pas le travail. Ils ne voient pas ces choses. Mais ils voient les résultats. Et ils assimilent ces résultats-là à la pratique de sorcellerie. Il a trempé. Maintenant, il a trempé où? Il a un gros serpent. Il a un gros serpent, celui qui nous crasse l'argent. D'autres sont allés jusqu'à dire que les foules qu'on voit, lorsque je fais mes cultes, en fait, il y a un logiciel qui multiplie les images, multiplie les gens. Que ça, ce n'est pas vrai. Ouais. Donc, les gens essaient de justifier leur médiocrité à tout prix. Mais lorsque j'ai réfléchi, revenant sur la question, pour comprendre pourquoi ces hommes de Dieu-là sont convaincus que le ministère c'est la sorcellerie, le ministère est sorcier, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Par les témoignages que je recevais autour de moi et par certaines expériences que j'ai aussi à vivre. Alors mes bien-aimés, vous savez, le ministère est très simple, mais il est en même temps très compliqué. Servir Dieu n'est pas facile. Servir Dieu n'est pas facile, pourquoi? Parce que
Il n'y a rien de plus exigeant que le ministère. C'est ça que vous devez comprendre. Il n'y a rien de plus exigeant que le ministère. L'homme de Dieu, mes amis, surtout nous qui sommes jeunes, c'est plus compliqué. Encore les papas, d'accord, c'est-à-dire ils ont perdu certains désirs charnels. Mais nous qui sommes au cœur du tourbillon des désirs charnels, le ministère, ce n'est pas un jeu. Il y a tellement de tentations. Il y a tellement d'opportunités à s'épanouir dans le mal. Il y a tellement de mauvaises voies qui s'ouvrent devant nous. Mais le problème, c'est quoi? Le danger, justement, c'est lorsqu'un homme de Dieu abandonne les voies droites et les recommandations que le Seigneur lui a données par rapport à son ministère. C'est là que les choses commencent à se compliquer. Vous voyez? Donc, j'ai remarqué que la plupart de mes bien-aimés, hommes de Dieu, qui, dans leurs églises, mettent dans la tête des brebis que nous autres, nous sommes des sorciers. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas comment, étant appelés par Dieu, ils n'arrivent pas à ces réalisations. J'ai découvert qu'il y a quelque chose qui a été brisé quelque part. C'est ce que j'ai découvert. Et c'est ça que je veux partager avec mes chers frères et sœurs. Non, la sorcellerie n'est pas de réussir au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie, c'est plus que d'abandonner les voies droites du Seigneur Jésus. Voyez. En fait, la compromission est à l'origine de l'échec dans le ministère de beaucoup d'hommes de Dieu. La compromission. Retenez ça, la compromission. La compromission est à l'origine de l'échec de beaucoup d'hommes de Dieu. Ça veut dire que la question qu'un homme de Dieu doit se poser chaque jour de sa vie, est-ce que je suis encore sur les voies droites du Seigneur? Est-ce que je respecte le contrat, les exigences que le Seigneur Jésus-Christ m'a imposées? Il faut se poser ces questions tous les jours. Ça, c'est une question qui taraude mon esprit chaque jour que Dieu a créé. Il faut regarder. Vous savez que nous avons souvent, nous prêchons souvent que les hommes de Dieu sont des hommes, ce qui est normal. Les hommes de Dieu peuvent aussi pécher, ce qui est normal. Mais vous voyez, je suis mal à l'aise lorsqu'un homme de Dieu dit que moi-même je reconnais que je tombe souvent et je me relève. Ouais. Je suis un peu mal dans cette expression. Pourquoi? Parce que qu'un homme de Dieu tombe, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Bible elle-même parle de cela. La Bible dit que qui es-tu pour juger un serviteur, le serviteur d'autrui? S'il tombe, où est ton problème? Cela regarde son maître. Et il dit, il se relèvera. Et son maître veillera sur lui. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle de cela. Donc, mais le tomber d'aujourd'hui là, c'est vrai que quelqu'un lui-même, il court pour tomber. Voilà. Et quelqu'un prend le lait, il court pour tomber. Tomber doit être un accident, ce qu'on appelle les accidents de la vie. C'est involontaire. Ça veut dire que c'est dépassé par des événements que tu te retrouves dans une circonstance où vraiment tu as perdu le contrôle. Et puis tu cries à Dieu et Dieu te dit on secoue. Mais ce n'est pas que toi-même tu vois le ravin, tu cours, tu sautes dans le ravin. Après, je suis tombé, envoie-moi l'échelle, je vais remonter maintenant. Ou bien on peut te sortir du ravin, tu dis non, laissez, je vais encore une semaine dedans ici, non. Après ça, je vais revenir. Donc, le tomber que certains utilisent et emploient aujourd'hui n'est pas le bon tomber, n'est pas le tomber biblique. Ce n'est pas de ce tomber-là que l'apôtre Paul parle. Un homme de Dieu doit veiller pour être un modèle, pour être un exemple. Et lorsqu'il se rend compte qu'il est en train de faire quelques erreurs, il doit crier à Dieu et sortir immédiatement de ses erreurs parce qu'il ne doit jamais oublier que les autres doivent être ses imitateurs. Ils doivent l'imiter, vous voyez. Donc, le problème des hommes de Dieu, c'est quoi? Que je descende par là. Le problème... Oh, merci Jésus. Le problème, donc, c'est quoi? En fait, le problème, comme je disais, c'est la compromission. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui nous condamnent, qui nous insultent, mais qui ne mène pas une vie exemplaire. Ouais, c'est un peu ça le problème. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Moi, prophète Ferdinand Ekane, je ne veux pas en boîte de nuit. Non, je ne veux pas dans les boîtes de nuit. Je ne veux pas dans les bistrots. D'ailleurs, je ne bois pas. Je ne bois pas. Pourquoi? Parce que c'est une alliance avec Dieu. Je me dois d'être un modèle. Maintenant, toi qui es homme de Dieu, tu vas t'asseoir avec tes brebis dans les bars, tu t'assois dans les bistrots. La nuit, vous allez danser le mapouka ensemble dans les boîtes de nuit. En quoi es-tu différent de la brebis? En quoi es-tu le modèle? Puisque berger, pohimen, en grec signifie le gardien. C'est-à-dire pendant que la brebis dort, c'est l'homme de Dieu qui veille sur sa brebis.
Ouais, c'est ça un peu le problème. Et le malheur pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans la jeunesse que nous avons au Cameroun, il y a la crise de mariage. Ça fait qu'en tant que jeune homme de Dieu, beaucoup de personnes viennent dans nos églises hein, qui ne craignent pas le nom du Seigneur, qui n'ont pas connu Dieu. Il y en a qui sont ignorants, d'autres sont des agents du diable envoyés en mission pour détruire la vie des hommes de Dieu. Ouais, donc il y a des personnes qui, peut-être que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, ne sont pas là pour le bien des hommes de Dieu. Et nous devons comprendre ces réalités, comprendre ces vérités-là et faire attention. La Bible dit « frappe le berger et les brebis se disperseront ». Donc le ministère n'est pas sorcier, c'est le principe. Lorsqu'un homme de Dieu n'arrive plus à respecter les principes de base du ministère, prenons le cas d'un homme de Dieu qui est marié. Vous avez votre femme, vous êtes marié, vous tapez sur votre femme. Comment voulez-vous que cet acte-là n'influence pas négativement votre ministère? En fait, la vraie sorcellerie, c'est de ne pas faire ce que Dieu nous a demandé de faire pour prospérer dans le ministère. Donc, au lieu d'accuser l'autre, disant non, lui c'est un sorcier, il a trempé. Il n'a aucun trempé, c'est toi qui as trempé dans le péché. Regarde d'abord, avant de parler ça, est-ce que ta vie est saine? Est-ce que ta vie est irréprochable? Est-ce que tu mènes une bonne vie? Est-ce que ta vie devant Dieu est dans la consécration parfaite? C'est ça la réalité. Comment veux-tu réussir dans le ministère en allant dans les boîtes de nuit? Tu danses avec les filles païennes. Il y a des hommes de Dieu dans ce pays qui organisent dans leur maison des fêtes mondaines. C'est ça la vérité. Et invite de belles femmes. Danse les musiques mondaines. Boive avec ces jeunes femmes. Fume. Hein, se drogue même dans la nation-ci. Avec ces jeunes femmes. Et c'est ça la vérité. Et c'est un problème. Dans ces conditions-là, comment est-ce que quelqu'un peut prospérer dans le ministère? C'est compliqué. C'est pas possible parce que la compromission ne peut pas te faire réussir. La compromission, c'est un problème réel. Il faut un peu baisser. On ne voit pas du Dieu. Voilà, comme tu es plusieurs, comment. De la compromission, c'est un réel problème. C'est un réel problème dans notre nation. Les gens doivent comprendre cela. La compromission. Quand tu marches dans la compromission, c'est tout à fait normal que ton ministère ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ton contrat avec Dieu, tu ne respectes pas ta part de contrat. Et c'est normal que la conséquence directe puisse être dans ton ministère. Parce que, pour dire la vérité, le genre de vie que tu mènes a une influence sur ton ministère directement. Donc, ce n'est pas la sorcellerie. Le problème, c'est la consécration. C'est qu'il y a des choses qu'il faut arrêter de faire en tant qu'homme de Dieu. Supposons que vous êtes en train de me suivre et vous êtes homme de Dieu, vous êtes engagé dans une mauvaise vie. Il faut abandonner cela, il faut crier à Dieu. Ce n'est pas une chose extraordinaire que de voir un homme de Dieu dans une mauvaise vie. Vous pouvez être là, alors je parle, vous allez dans la boîte de nuit, alors je parle, vous couchez avec des femmes, alors je parle. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a des choses que vous faites, vous êtes ivre, etc. Vous pouvez changer. Vous pouvez encore changer. Et si vous changez de caractère, si nous changeons de comportement, Dieu changera aussi envers nous. Il changera le comportement et les portes seront ouvertes. Vous voyez, c'est un peu cela. Donc, j'étais en train d'expliquer que vous ne pouvez pas, par exemple, être un homme de Dieu marié. Mais vous abandonnez votre femme et vous découchez. C'est un problème. C'est normal que les démons ferment la porte de l'entrée de votre église. Vous ne pouvez pas être un homme de Dieu, vous abandonnez votre femme à la maison. Vous partez dormir avec les prostituées et vous passez de belles nuits là-bas, une nuit, deux nuits, trois nuits. C'est un problème. C'est un réel problème. C'est-à-dire que vous êtes, ce n'est pas que c'est une histoire de sorcellerie, c'est que vous ne respectez plus les principes du ministère. Il y a des principes établis par Dieu. À chaque fois que nous nous rendons compte que nous ne respectons pas un principe, repentons-nous et revenons à Dieu. Hein? Aucun homme n'est parfait, ça c'est clair. Aucun homme n'est parfait. Chacun de nous fait face à des batailles, chacun de nous fait face à des tentations, chacun de nous fait face à des épreuves, chacun de nous fait face au combat spirituel. Nous sommes des jeunes. Ça veut dire que la chair en nous, nous combat, c'est la plus grande guerre que nous menons. La guerre des démons n'est pas la plus grande guerre de notre vie. La plus grande guerre, c'est la guerre contre moi-même. C'est la guerre des choix. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire? C'est ça la vérité. Donc, il faut comprendre que le succès de ton ministère est attaché à ton niveau et à ton degré de consécration à Dieu. Donc, au lieu d'accuser les autres, demande-toi plutôt, bon, celui-là, pourquoi je ne l'ai jamais croisé en boîte de nuit? Celui que tu dis être sorcier.
Pourquoi je ne l'ai jamais croisé dans nos MAPAL, dans nos réseaux d'alcoolisme? Pourquoi le prophète Khaled Ferdinand, on ne l'a jamais croisé là-bas? Donc, tu dois d'abord te poser ce genre de questions. Avant de commencer à dire que non, il a trempé, cherche dans quoi j'ai trempé. Parce que tu peux dire trempé comme ça, c'est dans la parole de Christ que j'ai trempé. Donc, il faut poser la question. Pourquoi lui, il ne marche pas dans nos voies? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'agit pas comme nous agissons, que Dieu lui fait quand même cette petite grâce qu'il est en train de recevoir? Donc, la vraie sorcellerie que moi je pratique, c'est de me battre tous les jours à me sanctifier devant le Seigneur. C'est de me battre tous les jours à me surpasser. Parfois, c'est compliqué, ça c'est vrai. Parfois, la guerre est rude, ça c'est vrai. Mais à un certain niveau, vous dites, je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas né pour ça. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Il est important que je sois focalisé dans la vision que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée. J'ai eu responsabilité en tant qu'homme de Dieu. Ouais. Donc, c'est ça la préoccupation de chaque homme de Dieu. On peut aller à l'église tous les jours, on peut prêcher tous les jours, on peut prophétiser, mais pourtant on a abandonné Dieu. C'est ça la vérité. On peut le faire, pourtant on ne respecte plus les principes que le Seigneur nous avait imposés. Donc moi je pense que les hommes de Dieu doivent comprendre ça dans mon pays. On n'a pas besoin d'aller chez une sorcière, ou bien aller faire des pratiques, ou bien aller faire des sacrifices pour réussir dans le ministère. Non. Ce dont on a besoin, c'est de mettre l'ordre dans nos vies en tant qu'hommes de Dieu. Il y a des milieux où nous ne devons plus entrer. Il y a des lieux où on ne doit plus aller. Il y a des personnes avec qui nous ne devons pas marcher. Ouais. Si moi je marche avec toi et je me rends compte que mon amitié avec toi met en danger ma relation avec Dieu, je vais essayer de sauver quand même une relation en essayant de te parler et tout. Mais si je me rends compte que obstinément, cette relation va m'amener à perdre ma faveur devant Dieu, je vais sacrifier cette relation. Je la sacrifierai. Non, ça c'est clair. Je la sacrifierai parce que parfois il faut mettre sur la balance le don de Dieu pour toi et le bénéfice d'une relation. Le don de Dieu, l'or et l'argent ne peuvent pas l'acheter. Donc, il faut faire le bon choix. Jésus-Christ a dit à Marthe, lorsqu'elle se plaignait de Marie, que Marie est venue s'asseoir pour écouter la parole, moi je suis en train de préparer au lieu qu'elle vienne m'aider. Jésus-Christ lui a dit, Marthe, tu t'ennuies pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Ouais. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous relever. Je me souviens de ce jeune homme de Dieu. Une jeune fille est venue me voir pour me dire qu'elle a couché avec lui. Elle a couché avec lui et il est marié. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as dit à quelqu'un d'autre. Elle a dit non. Je lui ai dit qu'elle n'en parle à personne. J'ai appelé le jeune frère. Mon frère, on est allé au restaurant. Je l'ai invité au restaurant. Nous sommes arrivés au restaurant. Et puis, on a mangé. Pendant qu'on était en train de manger, j'étais en train de prier dans mon cœur. Seigneur, donne-moi les paroles adéquates pour parler à ton oin. Et donc, pendant qu'on mangeait, le Seigneur m'a aidé. Et je lui ai dit, ok, j'ai reçu une fille qu'on appelle comme ça. Est-ce que c'est... Elle dit que vous avez eu des rapports sexuels. Et ce qui est mal dedans, c'est quoi? C'est que la fille explique qu'elle est séropositive. Et je lui ai demandé, les rapports là, c'était protégé ou pas? Elle dit non. Je lui ai dit, vous saviez que vous étiez malade? Elle dit oui. Vous avez quand même couché avec l'homme de Dieu, sans vous préserver, vous protéger? Elle dit oui. Et vous venez maintenant être la première à vous plaindre. Pourquoi quand il était sur vous, vous n'avez pas crié que, oh, bah, c'est l'homme de Dieu, je suis en train de faire avec lui? C'est ça le problème. Et c'est ça, ces agents du diable dans nos églises aujourd'hui. Lorsqu'elle te séduisait, elle écartait les jambes comme ça, sans rien en bas. Elle ne voyait pas que tu es un homme de Dieu. Lorsqu'elle te faisait les yeux doux, elle ne voyait pas que tu es un homme de Dieu. C'est lorsque le forfait est fait. Pourquoi tu n'as pas crié que, oh, on me viole? Pourquoi quand c'était bon entre vous, tu n'es pas venu voir les gens pour dire que, oh, je couche avec l'homme de Dieu aussi? Pourquoi c'est quand il y a les problèmes que tu reviens maintenant? Et cette femme, lorsque j'ai dit à l'homme de Dieu qu'il a reconnu, il m'a dit, oui, on a couché une fois. Mais elle est allée voir ma femme, elle a dit à ma femme, et donc je suis là, je suis dans les problèmes de l'église, là j'ai abandonné. Je lui ai dit que non, tu n'as pas besoin de cela. Hein? Demande pardon, Seigneur, et relève-toi. Il y a ce qu'on appelle le fils prodigue. Donc même si tu es un homme de Dieu, tu as fait n'importe quoi ici-bas, sous ce soleil, tu es allé n'importe où, s'il te plaît, reviens au Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tous nos soldats dans l'armée de Christ. Lèvons-nous, soyons des vaillants héros pour le peuple, pour notre nation. Relevons-nous de nos péchés, abandonnons nos iniquités, détournons-nous de nos mauvaises voies. Les bras du Seigneur nous sont encore ouverts. Il y a de la place pour chacun d'entre nous.
Je dois dire qu'il n'est pas question que tu abandonnes le ministère. Il n'est pas question que tu restes par terre. Nous ne laisserons aucun soldat par terre. Nous, on n'est pas de la race de ceux qui, pendant que leurs soldats sont agonisants, ils prennent les pieds plutôt pour assommer la tête de leurs soldats. Non, nous ne laisserons personne, les blessés ou les morts. Nous ferons tout pour que les morts ressuscitent. Parce que l'armée de Dieu doit être debout. C'est pour cela que vous ne devez pas condamner vos hommes de Dieu, prier pour eux. Et là encore, je dis qu'il y a une sorte de dilemme dans ne pas condamner les hommes de Dieu. Ouais. Il faut dénoncer ce qui est mauvais, ça c'est clair. Et il faut que ce soit vraiment mauvais pour le dénoncer. Donc, et le frère s'est relevé. On a prié ensemble au restaurant. Aujourd'hui, son ministère avance. Et j'ai béni Dieu pour lui. Il a repris. Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit que le prophète est canné. Tout le monde m'a condamné. Qu'un faux prophète. Ah, il a commis adultère avec une soeur. J'ai dit que ceux qui t'insultent là même parfois, que faux prophète, tu as commis adultère, ils ont oublié le préservatif dans leur poche. Tu as le gars insulte comme ça là, lui il a dormi en boîte de nuit. C'est ça le problème. Jésus a dit, pourquoi vois-tu la paille, la petite paille qui est dans l'œil de ton frère? Mais tu ne vois pas la grosse poutre, les gros poteaux qui est dans ton œil. Hein? Peut-être lui, il a couché avec une soeur. Tu vas, tu racontes ça, tu passes à... Pourtant toi, c'est avec ta propre maman que tu es en train de coucher. C'est pas ça l'hypocrisie qu'on a dans ces nations. L'hypocrisie qu'on a sur le sol camerounais, c'est ça. C'est que quelqu'un vient, il juge les autres, il condamne les autres. Oh, il parle mal des autres, pourtant lui-même, il est en train de, il a son dossier sur lui-même qui est plus grave encore. Ouais. Donc l'amour doit nous diriger. L'amour doit nous diriger. Les hommes de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes une seule armée. Nous travaillons pour un seul et même maître, pour un seul et même royaume. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Lorsque tu trouves ton frère en erreur, au lieu de prendre ça pour aller divulguer sa vie sur Internet ou aller raconter n'importe quoi, appelle-le. Manifeste de l'amour. Réfléchis toujours ainsi. Et si c'était moi, de quoi aurais-je besoin? Si c'était moi, de quoi aurais-je besoin? Laissez-moi vous raconter une histoire que je n'ai pas encore racontée. À l'époque, lorsque mon épouse a accouché Jemima, quelque chose s'est passé. Et elle a eu à raconter ça elle-même. On a oublié des serviettes, des gants, des ciseaux dans son ventre. Et donc, c'est à l'hôpital, à Dubaï, qu'on va découvrir ces choses-là. Et quand nous avons découvert cela, nous sommes allés voir une avocate qui a convoqué le docteur en question. Et il y a eu une confrontation. Nous avons porté les vidéos, et on a présenté à ce docteur. Et le docteur a dit devant l'avocate que nous mentons, que c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui inventent des choses comme ça pour arnaquer, extorquer de l'argent à d'autres. J'ai dit au docteur que ok, il n'y a aucun problème. Parce que je lui ai parlé de l'hôpital américain à Dubaï. Elle nous a expliqué qu'il n'y a pas d'hôpital américain à Dubaï. J'ai dit, c'est pas possible. Qu'on veut lui extorquer de l'argent. Et j'ai dit au docteur, devant l'avocate, que ok, je ne vous ai pas encore porté plainte. C'est-à-dire qu'à l'ordre des médecins, vous portez plainte au niveau pénal. Alors, voilà ce que nous allons faire. Choisissez une équipe. Moi, je vais payer leur billet d'avion, aller-retour sur Dubaï. Je vais payer leur logement et leur nutrition pendant le temps qu'ils auront à faire. Avec madame, ils vont partir. Et ils vont aller à l'hôpital américain de Dubaï. Si vous ne trouvez pas l'hôpital américain de Dubaï, on ne parle plus de ce problème. Mais si vous allez jusqu'à ce qu'on vous montre l'hôpital de Dubaï, l'hôpital américain de Dubaï, et que vous revenez, on vous montre les images de son opération là-bas. Vous revenez. Là, je vais faire un problème dans ce pays. Toute la nation se sera au courant de cette histoire-ci. Et elle a senti que ce n'était pas les jeux. Elle a compris que c'était très sérieux. Et si c'était arrivé, la femme-là aurait perdu le droit d'exercer dans ces nations. Le docteur qui avait opéré Momi à l'époque a demandé que la femme-là, ça c'est le mot, hein, que cette docteur-là, elle doit être pendue. On l'appelle le docteur Moussa. Il a dit que lui, il est prêt à payer son billet d'avion. Quand on lui a appris que la dame dit qu'on manque, qu'il n'y a pas d'hôpital américain à Dubaï, le médecin de Momi a dit que je paye mon billet d'avion, je viens témoigner au tribunal. Je ne vous demande rien. Je paye mon billet d'avion. En fait, je ne suis pas à votre charge. Je viens, je témoigne, je reviens. Il a dit qu'un tel docteur doit être exécuté même. Voilà les mots, les termes qu'il a utilisés.
voyez. Donc, après cela, il y a une autre confrontation où ce docteur-là a apporté 1 million pour nous donner. Que vraiment, il n'a pas beaucoup d'argent. Je peux s'excuser. 1 million. Je lui ai dit qu'on n'est pas ici pour l'argent. 1 million ne fait pas mon carburant pour 2 semaines. C'est ça la vérité. Pour toutes les missions que je fais là, 1 million, ça ne suffit pas pour le carburant dans mes voitures pour mes missions en 2 semaines. Ce n'est pas une histoire d'argent. Mais nous avons réfléchi ainsi avec mon ami à l'époque. Si c'était moi qui étais dans une situation d'erreur, ou cette erreur, si on la divulgue, j'aurais des sérieux problèmes. Qu'est-ce que je souhaiterais que la personne fasse? J'aurais souhaité que la personne manifestât de la compassion envers moi et qu'elle me donnât une seconde chance pour que je ne fisse plus la même erreur. Basé sur ces raisonnements, nous avons décidé. J'ai dit à Momi, nous pardonnons. On a dit au docteur que nous pardonnons. Elle n'en revenait pas. Et l'avocate a témoigné. L'avocate a dit que ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ce genre de personne. Vous êtes des anges. Voilà ce que l'avocate a dit. C'est une avocate de renommée internationale que tout le monde connaît. C'est dans son nom là, tout le monde connaît son nom. Donc, c'est un peu ça. Jésus a dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. Ou faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. C'est très important dans la vie. Vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas voir un homme de Dieu dans les problèmes, dans une difficulté, au lieu de l'aider, vous cherchez plutôt à le noyer. Au lieu de l'aider à sortir sa tête de l'eau, vous essayez plutôt à appuyer sa tête dans l'eau. Voyez. C'est ce manque d'amour qui a apporté la destruction aujourd'hui dans l'église de Dieu, parmi les hommes de Dieu, au point où nous sommes arrivés aux empoisonnements, au point où nous sommes arrivés aux dénoncements. Je n'ai pas besoin de dénoncer quelqu'un, sincèrement. Je n'ai pas besoin de dénoncer qui que ce soit. Si c'est mon frère, je te trouve en erreur, je répéterai ce que j'ai fait avec l'homme de Dieu dont je vous ai parlé. Je t'appellerai, je te dirai, bien-aimé, entre nous deux, voici telle chose, ce n'est pas bon. Reviens au Seigneur, unissons-nous, soyons forts et vivons la vie de Dieu. Donc, mes chers amis, le ministère n'est pas sorcier. Il y a des principes que nous devons respecter. Un homme de Dieu ne parle plus n'importe comment. Un homme de Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Un homme de Dieu ne va plus n'importe où. Il y a des milieux où on ne doit plus nous retrouver. Donc, pardon, bien-aimé. Si tu allais dans les boîtes de nuit, si tu partais dans les bistrots, aller dans les bars, tu abandonnais ta femme pour découcher, coucher avec les prostituées, tu vis avec les prostituées, tu mènes une vie de débauche, une vie de sodomie, une vie de quoi encore? Comment on appelle ça? De partouze, toutes ces choses-là, de beuverie, avec tout ce qui salit ta vie et ton ministère et empêche que les anges continuent à travailler avec toi, aujourd'hui tu peux te repentir, tu peux revenir au Seigneur. Demande pardon sincèrement à Dieu. Ne laisse pas cette occasion s'éloigner de toi. Je ne pratique pas de sorcellerie, mais je me bats, étant tenté comme toi. Ayant, vous pensez que depuis que mon épouse y allait, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. La tentation, c'est-à-dire qu'elle est une protection autour de moi. Aujourd'hui, je dois lutter sur tous les fronts. Donc, il faut qu'on comprenne cela. Donc, nous sommes tous tentés. Mais ne nous laissons pas métamorphoser négativement. Ne te laisse pas... C'est-à-dire qu'il y a des voies que si tu commences à suivre, tu auras du mal à revenir. Il y a un point de non-retour dans la vie de péché. Il y a un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il y a des frontières que si tu les traverses, de dire la vérité, pour retrouver le chemin retour, c'est compliqué. Mais si tu m'entends ce matin... C'est Jésus qui te parle. Ce n'est pas la sorcellerie. Je ne pratique pas la sorcellerie. Tout ce que j'essaye de faire, c'est d'être un modèle. Je me bats à mon niveau. Et je me remets au Seigneur qui m'a appelé. Quand ça me dépasse, je crie au secours. Je dis, Seigneur, regarde ma volonté d'être un homme exemplaire. D'être à ton image et à ta ressemblance. Et garde-moi du mal. Lorsque je me rends compte que mes pas vont aller à la déroute, à la dérive, je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, serre encore ta ceinture autour de mes reins. Ramène mon cœur vers toi. Vous voyez, c'est ça que nous chantons. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Donc, c'est important d'exhaler le parfum de la sainteté de Christ et de ramener nos cœurs au trône. Donc, que Dieu nous relève, que Dieu nous affermisse. Si vous écoutez ma voix ce matin, prenons la résolution ensemble d'être différents. Prenons la résolution de changer. Prends la résolution d'abandonner tes mauvaises voies. Prenons cette résolution ferme.
d'être des modèles pour Dieu et de laisser que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À partir de maintenant, prends cette décision, relève-toi, vaillant héros, car l'armée de ton Dieu a besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Pour ceux de Yaoundé, tout à l'heure, 16h, à la Bible spéciale Atmosphère de Miracle, ce dimanche, les habitants de Berthois, soyez très nombreux au quartier Beaumont. Il y aura 12 bus qui vont vous transporter, 4 bus de la communauté urbaine, 200 aller, 200 retour, et puis le reste des bus, ce sera gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Et nous aurons le 24, le culte des plaines à Berthois. Chacun se prépare avec son offrande familiale. Et je vous exhorte sur l'importance de l'offrande familiale. C'est pour consacrer ta famille. Et c'est, cette offrande-là signifie que tu donnes l'importance à Dieu dans ta famille. Habitant de Berthois, Douala, Yaoundé, ne jouez pas avec l'offrande de consécration. C'est quelque chose de très sacré. Il y aura donc des formats ouin et des silos ouin pour écrire nos plaintes à Dieu. Il y aura l'huile de faveur. Ne jouez pas avec l'huile de faveur. J'ai dit que quand vous arrivez dans nos églises, la première des choses, demande, est-ce qu'il y a l'huile de faveur? Prends ta bouteille d'huile de faveur. Parce que par cette huile, Dieu a tellement humilié le diable dans nos vies et libéré des captifs. Il y a tellement de témoignages que les gens ont vécu de délivrance extraordinaire. Tu peux aussi essayer l'huile de faveur pour témoigner de la véracité et surtout de la véridicité des paroles que je suis en train de te dire. Donc, et nous allons nous consacrer à Dieu et ça sera extraordinaire. Et Dieu se manifestera de manière puissante. La semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, nous serons à Douala pour 3 autres jours de grâce, de bénédiction, de miracle, d'abondante bénédiction dans la présence de Jésus-Christ. Et ce dimanche, soyez mes invités à Yaoundé, à Ndogba, Yaoundé, Kouaba. Si ce, Kouaba, vous dites la bière, on vous amènera à l'église. Donc, 7h30 à la bière, et par la grâce de Dieu, 16h, Berthois, Beaumont, après la deuxième barrière en allant sur la route de Belabo. Pour le reste, le Seigneur nous bénira, il nous aidera. Et les habitants de Kribi, je serai à Kribi par la grâce de Dieu. C'est 25, 26, 27. C'est ça? 24, 25, 26. Donc je serai à Kribi le 24, 25, 26. Dans la salle de la mairie, la salle de fête de la mairie de Kribi. Donc soyez mes invités à Kribi et que la grâce de Dieu soit abondante dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Shalom.